Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shabbevers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais tout simplement vous montrer comment avoir les nouvelles armes exotiques de la Maison des Loups. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la Maison des Loups est un DLC qui est sorti le 19 mai sur toutes les consoles. Parlons du sujet, la première étape est assez simple, il vous faudra aller en prison des vétérans 34 ou 35 et tuer le boss pour avoir une chance de looter ce qu'on appelle le clavis des vétérans. D'ailleurs, si je pouvais vous donner un petit conseil, faites très attention à garder un emplacement vide dans vos contrats lorsque vous faites la prison des vétérans, puisque sinon vous ne pourrez pas récupérer ce contrat, il existe un bug du jeu qui fait que votre contrat est annulé. Le clavis des vétérans est en fait un contrat exotique qui vous permettra de choisir entre l'une des trois armes de Varix. Ce n'est bien sûr pas si facile, vous l'aurez compris, il va donc vous enlever ce contrat, il faudra retourner en prison des vétérans, ouvrir le grand coffre et looter le clavis de la reine. Ce clavis de la reine est à ramener bien sûr à Varix et cette fois-ci il vous faudra attendre 24, 48 ou 72 heures afin de récupérer le contrat et de lancer la dernière étape. Une fois que vous vous serez rongé les doigts, mais pas trop peut-être j'espère, car c'est pratique pour jouer quand même, il faudra donc compléter ce contrat qui sera de 1000 points. Je vous explique, les 1000 points seront à faire en faisant des niveaux de la prison des vétérans, sachant que plus le niveau est élevé, plus vous avez de points, ce qui est normal. Attention tout de même, il faudra quand même remplir ces arènes et non pas s'arrêter en plein milieu en ayant fait 2 ou 3 vagues seulement, puisque vous n'obtiendrez aucun point. Petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de faire tout simplement le niveau 32, 34 et 35 à la suite, ce qui vous permettra de totaliser plus de 1000 points. Effectivement, si vous calculez, le niveau 28 donne 75 points, ce qui est quand même très peu, le niveau 32 vous donne 250 points, le 34 350 et 35 qui est scolasse donc 450. Si vous calculez bien, le 35 qui fait 450 points et le 34 350 vous font 800 points, plus le 32 qui fait 250, ça fait 1050 points. Pour ceux qui n'ont pas compris, ne cherchez pas, vous faites les 3, ça suffira. Une fois les 1000 points gagnés, vous n'aurez plus qu'à rendre compte à Varix qui vous permettra de choisir enfin votre arme. Je vous dis bonne chance et je vous laisse choisir en image si jamais vous n'avez pas encore looté ce contrat. J'espère que vous l'aurez donc assez vite, j'espère aussi que ça vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à en parler à vos amis, à revenir me voir très bientôt. Je vous dis amusez-vous, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé et ciao bye bye. Donc compléter ce contrat qui sera de 1000 points. Je vous explique, les 1000 points seront à faire en faisant des niveaux de la prison des vétérans, sachant que plus le niveau est élevé, plus vous avez de points, ce qui est normal. Attention tout de même, il faudra quand même remplir ces arènes et non pas s'arrêter en plein milieu en ayant fait 2 ou 3 vagues seulement, puisque vous n'obtiendrez aucun point. Petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de faire tout simplement le niveau 32, 34 et 35. Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shabbevers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais tout simplement vous montrer comment avoir les nouvelles armes exotiques de la Maison des Loups. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la Maison des Loups est un DLC qui est sorti le 19 mai sur toutes les consoles. Parlons du sujet, la première étape est assez simple, il vous faudra aller en prison des vétérans 34 ou 35 et tuer le boss pour avoir la suite, ce qui vous permettra de totaliser plus de 1000 points. Effectivement, si vous calculez, le niveau 28 donne 75 points, ce qui est quand même très peu, le niveau 32 vous donne 250 points, le 34 350 et 35 qui est scolasse donc 450. Si vous calculez bien, le 35 qui fait 450 points et le 34 350 vous font 800 points, plus le 32 qui fait 250, ça fait 1050 points. Pour ceux qui n'ont pas compris, ne cherchez pas, vous faites les 3, avoir une chance de looter ce qu'on appelle le clavis des vétérans. D'ailleurs, si je pouvais vous donner un petit conseil, faites très attention à garder un emplacement vide dans vos contrats lorsque vous faites la prison des vétérans, puisque sinon vous ne pourrez pas récupérer ce contrat, il existe un bug du jeu qui fait que votre contrat est annulé. Le clavis des vétérans est en fait un contrat exotique qui vous permettra de choisir entre l'une des trois armes de Varix. Ce n'est bien sûr pas si facile, vous l'aurez compris, il va donc vous enlever ce contrat, il faudra retourner en prison des vétérans, ouvrir le grand coffre et looter le clavis de la reine.
Ce Clavis de la Reine est à ramener bien sûr à Varix, et cette fois-ci il vous faudra attendre 24, 48 ou 72 heures afin de récupérer le contrat et de lancer la dernière étape. Une fois que vous vous serez rongé les doigts, mais pas trop peut-être, j'espère, car c'est pratique pour jouer quand même, il faudra